C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, oui, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Qu'il est bon, qu'il est agréable d'être ensemble, tous ensemble, réunis pour glorifier notre Dieu. Seigneur mon Dieu, béni sois-tu. Nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour louer notre Dieu, pour louer le Seigneur. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous.
malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Alléluia. Seigneur, puisses-tu vraiment exulter de joie, Seigneur, quand tu regardes tes enfants, Seigneur. Seigneur, parce qu'ils font ta volonté, Seigneur. Parce qu'ils te sont agréables, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour chaque chose que tu fais dans nos vies. Seigneur, parce que nous ne sommes plus esclaves de la peur, Seigneur. Désormais, Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes, Seigneur, les fils et les filles de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous n'avons plus peur, Seigneur. Nous n'avons plus peur, Seigneur. Alléluia, sois béni, Seigneur Jésus. Thank you.
soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, qu'elle vienne et nous entoure, Seigneur, de toutes parts, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, que ta grâce, Seigneur, coule, Seigneur, en moi, Seigneur. Que ta grâce m'envahisse, Seigneur. Seigneur, viens, mon roi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que de toute autre chose, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, qui nous réveille, Seigneur. Qu'il éveille, Seigneur, nos sens, Seigneur, et que nous puissions nous mettre à l'écoute, Seigneur, de ce que tu as à nous dire, Seigneur. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, encore aujourd'hui. Louange et gloire à toi, Seigneur. Je viens.
Seigneur, combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur, avec nous, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a nul qui soit semblable à toi, Seigneur, ô Éternel. Et nous voulons le chanter, Seigneur. Et nous voulons le crier, Seigneur, haut et fort, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es puissant, Seigneur. Et digne de louange et d'adoration, Seigneur. Saint est ton nom, Seigneur. Jésus. Sa gloire.
Fixer leurs limites. Les vents ne soufflent que selon tes ordonnances.
rugisse qu'au son de ta voix. Tu créas le ciel, les nuages et les ouragans. La pluie ne descend du ciel pour arroser la terre que si tu la désires la rendre fertile. Tu créas la terre et tout ce qu'elle contient, les animaux des champs et les poissons, le bétail et les oiseaux du ciel. Aucun d'entre eux ne tombe à terre sans que tu l'aies décidé. Tu as créé de même l'homme et la femme selon ton image, Seigneur. Tu les as créés tous deux à ton image et tu leur insouffla le souffle de vie. Tu les plaça dans le jardin d'Éden, ce jardin si paradisiaque, pour leur annoncer et leur donner tout en abondance. Tout ce que tu désirais était de t'aimer en retour. C'est tout ce que tu demandais, qu'ils t'aiment en retour. Qu'ils aient une relation d'amour avec toi. Mais la tentation fut plus forte et ils sont tombés et ils t'ont oublié. Mais tu ne perdis pas espoir, Seigneur. Tu continues à croire en eux et tu mis tout en place pour leur parler au travers des générations. Tu parlas à tes enfants afin qu'ils te connaissent, toi, le seul et unique vrai Dieu. Tu leur donnas des instructions et des ordres afin de les suivre et qu'ils vivent heureux sur la terre, eux et leurs enfants après eux. Et tu leur montras le chemin depuis le commencement. Et de la même manière que tu instauras des limites pour toute ta création, tu en établis aussi pour tous tes enfants. Et tu leur demandas de les suivre. Tu établis la vie et la mort devant leurs pas, la bénédiction et la malédiction. Mais tu leur laissas le choix, la liberté de choisir le bien ou le mal, la vérité ou le mensonge, l'obéissance ou la désobéissance. Bref, la vie ou la mort. Encore aujourd'hui, tu désires toujours la même chose de la part de tes enfants, leur cœur, leur amour. Oui, encore aujourd'hui, tu les appelles à toi afin qu'ils te reconnaissent comme père et qu'ils t'obéissent et te fassent confiance en toutes circonstances de la vie qu'ils traversent. Seigneur, nous ne sommes rien. Et pourtant, tu prends si bien soin de nous. Tout ce que nous sommes, nous te le devons. Tu nous forges au travers nos épreuves et nos difficultés. Tu forges notre caractère. Tout ce que nous avons en notre possession, nous te le devons. Tous nos biens sont à toi. Tout ce que nous avons obtenu, vient de ta main. Il n'y a rien que nous puissions faire de nous-mêmes. Nos fils et nos filles, là encore, c'est toi qui nous les donnes comme un cadeau précieux. Car si tu décidais de fermer notre sein maternel, nous ne pourrions pas enfanter. La sagesse et l'intelligence pour les éduquer, c'est toi qui nous les donnes. Pour les élever, pour les combler, encore là, Seigneur. Seigneur, tout est grâce devant toi. La force pour avancer chaque jour, c'est toi qui nous en fais cadeau. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Il est impossible pour nous de ne pas élever ton nom, de ne pas te glorifier, Seigneur, parce que tu es le but de notre vie. Nous, si nous vivons, Seigneur, notre raison de vivre, c'est de t'adorer, Seigneur. C'est de t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur. Notre raison de vivre, c'est de t'adorer, Seigneur. Louange et gloire à toi, digne tu es. Alléluia. Seigneur, prends ce que je suis, Seigneur. Prends ce que je suis, Seigneur. Seigneur, prends toute ma vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains. Seigneur Jésus. Entends nos prières. Toute ta création est celle-ci. Thank you.
Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je viens m'offrir à toi comme un sacrifice. Jésus, j'abandonne ces façons.
Alléluia, merci à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tu es mon berger, tout ce que tu es, mon tu es, reçois la gloire. Tout ce que tu es, tu es mon protecteur, tu es tout, Jésus. Maintenant, vous savez, Jésus,
quand il avait les pharisiens en face d'eux. Si on prend Matthieu 23, il leur a donné un qualificatif. C'est hypocrite. Hypocrite. Et nous, des fois aussi, on pourrait chanter hypocritement. Nous allons entamer une série d'études ici maintenant, parce que je crois qu'elles sont importantes. Elles sont importantes pour le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas des hypocrites. Mais nous devons comprendre qu'il y a des lois spirituelles qui régissent ce monde. Et il y a même des choses que nous disons dans nos milieux charismatiques qui sont complètement fausses. Et au sein du Bon Samaritain, si on étudie un petit peu, si on réécoute les études que nous avons faites depuis la création de cette église, c'est de briser tous ces faux fondements, briser toute cette hypocrisie. Nous sommes là pour mettre la vérité en éclat, en lumière. L'église de Bon Samaritain, c'est ça. C'est ça. Et je voudrais qu'après cette série d'études, quand nous chantions ce chant, c'est quelque chose qui sort de notre vie. Avec vraiment quelque chose où on dit, oui Seigneur, la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. Peu importe ce qui ne va pas, peu importe ce qui va, je suis là, j'ai été créé pour t'adorer. Oui Seigneur, je m'abandonne à toi, réellement, sincèrement, sans arrière-pensée vis-à-vis de toi Seigneur. Amen. Amen. Je vais demander à une de mes sœurs de prier pour ce message, surtout pour briser nos faux raisonnements. Il faut que cette forteresse tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, comme le pasteur nous l'a demandé, Seigneur, pour ce message, Seigneur, je te prie pour tous les faux raisonnements, Seigneur. Seigneur, tu peux savoir, Seigneur, à quel point, Seigneur, ils sont nombreux, Seigneur. De la petite forteresse, Seigneur, à la grosse muraille, Seigneur, au gros château, Seigneur. Toi sais, Seigneur, dans nos raisonnements, Seigneur, combien de fois, Seigneur, nous pouvons être vraiment troublés, enfermés, Seigneur, vraiment prisonniers, Seigneur, de ces faux raisonnements, Seigneur. Je te prie, Seigneur, en ton nom, Seigneur, tout-puissant, Seigneur, de briser, Seigneur, tous faux raisonnements, Seigneur, que nous nous sommes construits, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, a construit, Seigneur. Je te demande par ta main puissante, Seigneur, qu'il soit écroulé, Seigneur Jésus. Amen. Je te remets, Seigneur, ce message entre tes mains, Seigneur, je te remets nos cœurs entre tes mains, Seigneur, que nous puissions vraiment capter, Seigneur, la pensée, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, en Salvator, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, et être vraiment des enfants dociles, Seigneur, obéissants, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, avec attention, Seigneur, pour après, Seigneur, pouvoir mettre en pratique, Seigneur. Nous te disons merci pour tout, Jésus. Amen. 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 Donc voilà, nous allons entamer cette série. Je vais dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet que nous allons exposer durant ces prochaines semaines, selon ce que l'Esprit va nous guider. Nous allons tout d'abord prendre, et vous allez comprendre de quel sujet c'est, rien qu'en vous disant un simple prénom. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 17. Et nous allons voir, et dans un premier temps, comme je dis toujours, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là, comme la Bible nous dit, c'est de méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est quelque chose qui te fait voir les réalités en face. L'étude des personnages est quelque chose de très important pour nous en tant que chrétiens. Et malheureusement, je crois que c'est quelque chose des personnages de la parole de Dieu, je parle. Malheureusement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu omis. On aime parler de puissance, on aime parler de guérison, on aime bien parler du charisme, on aime bien parler de tout ça. Mais avant d'arriver à tout ça, comme je dis toujours, avant que l'enfant puisse courir, l'enfant doit déjà commencer à avoir un équilibre. Après avoir cet équilibre,
L'enfant doit commencer à apprendre à marcher avant de courir. Et il y a des étapes de la vie chrétienne. Et c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, c'est 1 Rois, chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous avons parlé de cet excellent, dit excellent, excellent homme de Dieu. Je crois qu'en matière de personne, d'être humain, il n'y a eu personne comme lui. Pour moi, Élie représente la puissance. Élie, pour moi, représente le feu. Élie, pour moi, représente la force, la confiance en Dieu, l'écoute en Dieu et l'obéissance en Dieu. Parce que je crois qu'il n'y a pas eu un homme comme lui, excepté bien entendu Jésus, mais je vous parle d'être humain né de homme et de femme. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, regardez, l'un des habitants de Galate. Tous, je pense que vous avez déjà lu la Bible. Quand on parle d'un prophète, on disait le prophète de Dieu. Quand on parlait d'un homme de Dieu tel que Moïse, on disait l'ami de Dieu. Là, Élie, pourtant je vous dis, Élie est un excellent et puissant homme de Dieu. Personne n'a fait ce que lui a fait. Et on le présente dans la Bible comme l'un des habitants de Galate. C'est comme si on parlerait de toi et on dirait l'un des habitants de la Louvière, l'un des habitants de Heure, l'un des habitants de Fontaine-l'Évêque, l'un des habitants de l'Audensart. Et chacun d'entre nous peut mettre sa ville. Tu mets ton nom et tu le vois là, l'un des habitants. Une personne insignifiante. L'un des habitants de Galate dit à Achab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, et ça on va parler tantôt, dont je suis le serviteur. Parce que je vais vous dire une chose, je vais anticiper ce que j'ai comme pensée. Lui a dit qu'il était serviteur. Aujourd'hui, beaucoup mettent en exergue qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais le titre le plus honorifique que nous avons, c'est toi et moi qui l'avons reçu. Parce que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, mais nous sommes fils et filles de Dieu. Et ça, c'est le plus haut rang. C'est encore plus haut que ce que Élie était. Lui-même se présente en tant que serviteur de Dieu. Les gens le voyaient comme l'un des habitants. Lui savait qu'il était serviteur de Dieu. Mais toi et moi, nous devons savoir que nous sommes plus que serviteurs. Nous sommes fils et filles de Dieu par Jésus. Amen. Fils et filles. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Quel homme de Dieu! Il fit comme l'Éternel lui dit. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Passage suivant. 1 Rois chapitre 19, de 1 à 5. Achab rapporta à Jézabel. Jézabel, c'était sa femme. D'ailleurs, pour ceux qui ne croient pas à la délivrance, c'est pas grave, mais il y a un puissant esprit qui porte ce nom, c'est Jézabel, et c'est pas pour rien.
À chaque rapporta Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment elle avait tué par l'épée tous les prophètes. Les faux prophètes, je précise. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. J'ouvre une parenthèse, je la referme. Jézabel a lancé une malédiction sur Élie, la mort. Dans la vie d'Élie, tout était fait en sorte que le diable n'avait aucun point d'accroche dans la vie d'Élie. La malédiction que Jézabel lui a lancée, comme l'ennemi ne pouvait rien faire sur la vie d'Élie, elle s'est retournée contre elle. Elle a dit demain. Est-ce qu'elle a voulu faire à Élie? C'est ce qui lui est arrivé. Je ferme la parenthèse et je voudrais que vous méditiez sur ce que je vous ai dit là. Parce que plus tard, on va revenir là-dessus. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. C'est ça qu'on va parler. Et demanda la mort. En disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Elle lui dit, lève-toi, mange. Point. Donc nous avons parlé de notre cher et puissant homme de Dieu, Élie. Nous allons parler un petit peu de sa vie. Nous allons dans un premier temps parler de ses qualités. Mais nous allons parler aussi d'un défaut. De quelque chose qui l'a mis dans cette situation à implorer Dieu, à demander la mort. Et bien souvent, quand on lit « demande à la mort », ben voilà, on prend le contexte, hein. Donc, il demande bien la mort de sa vie qu'il a sur cette terre. Mais je voudrais dire, combien de chrétiens sont comme lui? Combien demandent la mort? Je voudrais dire, combien de chrétiens aussi demandent la mort de leur couple? Combien de chrétiens demandent la mort de leurs enfants? L'abandon, le découragement, le burn-out, comme on appelle ça. Je ne voudrais pas parler ici de dépression. Parce que malheureusement, aujourd'hui même ce mot dépression, aujourd'hui au sein de nos congrégations, on a mis voilà, ce découragement comme une dépression. Mais ce n'est pas une dépression. La dépression réelle, quand tu as besoin de médicaments pour cette dépression-là, elle est quand il y a un problème au niveau du psyché, au niveau de l'âme. Il y a certaines choses, je vais dire, dans cette vie, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, dans ce que nos parents ont pu faire quand nous étions dans le sein encore de notre mère, ou même avant. Parce que j'ai lu ici récemment qu'un adolescent qui fume un certain nombre de joints, donc de cigarettes avec des substances nocives à l'intérieur, peuvent avoir des répercussions dans les spermatozoïdes de l'homme, et quand l'enfant naît, il y a un déficit. Il y a un manque quelque part de quelque chose. Et nous voyons certains chrétiens. Vous avez bien fait une différence entre chrétien et disciple. Chrétien, je parle chrétien de ceux qui sont religieux. Disciple, je parle de ceux qui font la volonté de Dieu. Nous sommes dans cette catégorie de disciples. Certains chrétiens disent de leurs enfants, mais il faut qu'ils fassent des expériences. Moi, ça va tort. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les seules expériences que tu dois faire, que ton fils doit faire, que toi tu dois faire, et que l'Église doit faire, c'est avec son Seigneur, avec son Roi.
Faire voir la puissance de guérison qu'il peut y avoir, la puissance de résurrection, la puissance de restauration, de vie intérieure, de vie complètement changée. Ça, c'est l'expérience que ton fils, que toi, que tout le monde nous devons faire. Nous n'avons rien à faire avec ce monde. Et les choses que je sais qui sont nocives, je ne veux pas que mes enfants touchent. Je n'en veux déjà pas moi, je les peine, encore moins que mes enfants les touchent. Vous savez, il y a un mot qui est, tantôt je l'ai dit, Élie, pour moi, représente beaucoup de choses. Mais sur les 4 des 6 chapitres dont on parle d'Élie, on ne parle pas beaucoup, c'est 6 chapitres la vie d'Élie. Mais sur 4 chapitres de lui, il y a 13 fois un mot qui lui est attribué à Élie. C'est le feu. Le feu. Nous savons, nous, le feu, ce que ça représente. La puissance du Saint-Esprit. Cette onction qui agit aujourd'hui dans l'Église, dans le corps de Christ. Élie n'était pas un homme comme les autres. Oui, il était de la même nature que nous, nous allons le voir. Il était de la même nature et nous allons examiner qu'est-ce que ce mot nature veut dire. Mais Élie était comme toi et comme moi. Il est né d'un père et d'une mère. Mais quand on analyse sa vie était accompagnée de miracles. Sa vie était accompagnée de la puissance de Dieu qui l'accompagnait partout sur ce qu'il faisait. Et combien disent « Oh, ce que j'aimerais bien être comme Élie !» As-tu payé le prix pour être comme Élie ? J'ai aimé parce que j'ai eu ce message vendredi. Et aujourd'hui, encore une fois, au matin, nous étions avec mon frère Alain en train de regarder le culte à la porte ouverte. Et le titre de ce... le message qui a été pris, c'était ça. Élie était de la même nature que nous. Et je disais, Seigneur, combien tu es bon. Tu as un message à faire passer à ton Église. L'Esprit veut nous enseigner quelque chose. Comme Dieu regarde une Église de 2 000 à 3 000 membres, Dieu regarde une petite Église comme nous. Et il veut qu'un message soit donné. Il veut que toi et moi, nous comprenions quelque chose. Parce que Dieu veut nous porter là où lui l'a décidé. Et il nous portera là. Amen. Oui, le premier point était que Dieu, Élie était un homme vraiment accompagné par cette puissance de Dieu. Le deuxième point est que Élie était un homme de foi. Quoi que Dieu lui disait de faire, il faisait. Il ne se posait pas des questions. Aujourd'hui, nous, hein, combien de fois quand Dieu nous demande de faire quelque chose, combien de questions nous nous posons avant, hein? Est-ce que Dieu m'a réellement donner la capacité de prier pour les personnes pour qu'elles soient vraiment guéries. Hein? Quand Dieu nous donne une parole de consolation pour quelqu'un, le doute avant que ça sorte. Oh mais Seigneur, et si c'est moi? Et si c'est le diable? Et si c'est mes émotions? Alors que nous avons d'un côté des personnes qui sont sans aucune hésitation et Dieu ne fait rien avec eux, ou alors le véritable disciple, lui, il est dans les doutes. Vous voyez qu'il y a un équilibre à restaurer dans l'Église. Il y a quelque chose que le chrétien doit savoir, c'est son identité. Qui il est en Christ. Et comme j'ai dit tantôt, même si je suis pasteur, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un fils de Dieu. C'est mon identité. Et bien souvent, le diable vient et, hein, non, ne sois pas trop sage à excès. Ne te vois pas, hein. Non, je suis fils de Dieu. Et tu es fille de Dieu. Et tu es fils de Dieu. C'est notre rang. C'est notre identité. C'est ce qui est mis sur notre passeport céleste. Pasteur Amici, fils de Dieu, c'est son métier. Fils de Dieu. Et toi, ton nom, ton prénom, fille de Dieu. Troisième point, est que Élie était un homme de prière. Et c'est là où on va rentrer. On peut mettre le verset. Parce que ceux-ci sont importants à voir. C'est dans Jacques, chapitre 5, les versets 17 à 18. 18, 19. Jusque 20.
Parce que j'ai été un petit peu plus loin. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est ce verset 17, mais j'ai été un petit peu plus loin pour comprendre un petit peu aussi un autre mot qui est dans cette phrase-là et qui est très importante. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est Jacques qui dit ça. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria modérément. Qu'est-ce qu'il dit ? Avec insistance. Instance. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Pourtant, Élie, je vais vous rappeler quelque chose, c'est Dieu qui lui a dit de prier dans ce sens-là, qu'il ne peut plus. Mais malgré que Dieu lui a dit, c'est comme si Dieu, là on va paraphraser, on va lire entre les lignes, c'est comme si Dieu dirait à Élie, je ne vais plus faire pleuvoir pendant 3 ans et demi. Élie a dit, oui, pas de problème Seigneur, moi, Élie, je vais prier, je vais leur faire voir qui est Élie. Non. Dieu a attendu avant qu'il ne pleuve plus. Il a attendu de voir que Élie mettait sa foi en action sur ce que Dieu avait dit. Amen. Vous savez, c'est facile d'aller. On va prendre un exemple où on sait qu'il y a de la sécheresse en Afrique. Allez, dire voilà, cette année-ci, il ne va pas pleuvoir. C'est facile. Parce qu'il y a quoi? Il y avait un jour de pluie, peut-être sur l'année. C'est facile. On voit le premier mois qui arrive. On arrive au mois de mars. Pas de pluie au mois de mars en Afrique. Au mois d'avril, rien. Et tout le monde dit, waouh, Salvatore a pris pour qu'il pleut et il ne pleut pas. Et pour eux là-bas, c'est normal. C'était normal en Afrique. Mais pas là-bas en Israël. Et il n'a pas dit 1 an. Il n'a pas dit 2 ans. Il n'a pas dit 3 ans. Il a dit 3 ans et demi. Parce que s'il aurait été 2 ans, les scientifiques qu'on a aujourd'hui, ils ont dit, oh, mais c'est normal. Il y a eu un anticyclone qui est arrivé, et comme par hasard, il s'est mis juste sur Israël, et voilà, c'est les effets de la nature, c'est logique. Non. Parce que tous les 3 ans et demi, il y a un certain climat atmosphérique qui se fait, et c'est quelque chose qui, normalement, là, il devait pleuvoir, et là, c'était fini. Les cieux ont été fermés. De 1, parce que Dieu l'a décrété. Et de 2, parce que Dieu travaille toujours avec les hommes et les femmes qui sont ici-bas sur cette terre, et il travaille à travers son Église, à travers les ministères que nous avons aujourd'hui, pour l'Église. Et il dit voilà, 3 ans et demi, il ne pleuvra plus. Mais alors, comme dirait encore une fois, comme je disais une fois, il peut ne pas pleuvoir pendant 1 an, mais pas 3 ans et demi. Et là, pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et regardez la deuxième partie. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre dit amen, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et je suis là pour ça. Détruire ces faux raisonnements afin que cette multitude de péchés nous soit effacée, nous soit anéantie. Quand tu réalises la vérité de Dieu et tu la fais réaliser aux autres, c'est ce qui arrive dans la vie des autres. Regardez aussi un autre passage qui est important. Ici, c'est comme je vous dis, c'est pour vous faire voir combien Élie est important dans la Bible. Il y a quelque chose avec lui. Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6, ou dans d'autres versions, la numérotation n'est pas la même, c'est du chapitre 3, versets 22 à 24. Voici ce que la Bible dit. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y avait quelque chose que Dieu avait en horreur et il l'a encore en horreur à l'heure d'aujourd'hui.
c'est que le fils est quelque chose vis-à-vis de son père, et le père vis-à-vis de son fils. Ça, c'est dans ce qui est écrit scripturairement. Et dans le sens spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le pasteur homme ici, c'est mon pasteur. Pour moi, c'est un père spirituel. Je ne peux rien avoir vis-à-vis de lui. Et lui vis-à-vis de moi, parce que je suis son fils. Et la même chose de vous et nous. La même chose entre vous, entre l'Église, corps de Christ. Il dit, parce que Dieu vient, il dit, de peur que je vienne frapper le pays ou l'Église d'interdit. C'est pour ça qu'il est important. Et c'est ce que la Bible nous dit. De nous soumettre les uns aux autres. De ne rien avoir les uns vis-à-vis des autres. Amen. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui n'est pas aussi puissante qu'elle dit. Amen. Elle le dit en parole. Hein? On voit un malade, Dieu va guérir. Mais la foi, elle est où? Parce que comme je dis, c'est facile de démontrer, de parler d'une foi. Mais c'est autre chose de la démontrer. C'est facile de dire, Dieu me guérit. Mais ce n'est qu'une autre de marcher d'une façon que tu es guéri. C'est totalement différent. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe malheureusement dans toutes les églises. Dans toutes. Cinquième point. Élie est l'homme de l'Ancien Testament qui est le plus souvent repris dans le Nouveau Testament. Beaucoup de choses, si vous prenez, je vous dis, j'aurais pu prendre un verset, mais je ne suis pas là pour ça. Comme je dis, chacun d'entre nous a la responsabilité de chaque jour ouvrir sa Bible et de la méditer. Josué l'a dit, ça je ne l'ai pas pris, mais c'est dans Josué chapitre 1, verset 8, c'est un verset que j'ai mémorisé dans ma tête. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. La clé est là. Et qu'est-ce que le chrétien ne fait pas? Il veut réussir, mais il ne veut pas de la Bible. C'est antibiblique. Parce que si tu veux réussir dans un domaine, la Bible doit être ton livre qui t'accompagne partout. Et même si que dans ton lieu de travail, ce que tu as lu au matin avant d'aller travailler, tu le médites dans ta tête. Seigneur, pourquoi j'ai lu ce verset-là? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce verset-là? L'étude de dimanche, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner? Donc voici, je vais m'arrêter là. Donc si vous voulez regarder un petit peu cette vie d'Élie, vous prenez à partir de 1 roi chapitre 17, vous comptez 6 chapitres et vous avez tout ce qui concerne Élie, ce grand homme de Dieu, tous les miracles qu'il a fait, le feu qui est descendu du ciel, qui a consumé l'Holocauste et qui après, malheureusement, nous le savons, a tué, a égorgé ses faux prophètes. Mais il l'a dit au peuple d'Israël. C'est comme si moi je vous dirais maintenant, voilà, Dieu est Dieu. Et nous l'avons chanté, Dieu tu es grand, tu es admirable, tu es insondable, tu es magnifique, tu es puissant. Oui, Dieu est tout ça. Mais Élie disait, je sais ce que vous dites. Et c'est à travers la bouche d'Ésaïe, je crois que Dieu le dit. Il dit, ce peuple m'honore de sa bouche, mais son cœur, il est éloigné de moi. Et Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez-le. Nous maintenant, ce que je devrais dire, c'est, voilà, si Dieu est Dieu, deviens son fils, deviens sa fille. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Ses œuvres sont magnifiques, on l'a chanté. Ses œuvres sont insondables, sont merveilleuses. Hier encore, j'expliquais à quelqu'un ce que j'étais. Et j'avais de l'émotion. Parce que je disais, Seigneur, j'étais de la boue. Et tu as fait un vase avec de la boue. Un vase qui est là dans l'église maintenant. Qui sert dans l'église maintenant. Qui sert pour ton nom. Qui sert pour ton fils. Qui est utilisé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Dieu ne fait acceptation de personne. Il ne regarde pas l'un plus l'autre en disant voilà, avec lui, Dieu,
quand lui prie, il fait quelque chose. Combien de fois ça m'énervait, on en discutait encore au matin avec mon épouse. Quand on venait à la maison et qu'on me disait, Salvatore, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Et moi je regardais, je dis, tu pries toi, tu as une vie de prière toi. Dieu, qu'est-ce qu'il pense de toi? Pourquoi tu attends que Dieu parle à travers moi pour ta vie? C'était une communion avec Dieu. Dieu te dit ce que tu es. Amen. Je me rappelle, on a eu un moment difficile. Et ma femme, elle avait reçu une parole. Et quelques heures après, nous nous rendons dans une église. Une prophétesse lui dit cette même parole. Elle est fille de Dieu. Mais quand tu y réalises que tu es fils et fille de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Vous savez, quand vous regardez un petit peu tout ce que c'est film avec la mafia et tout ce qui s'ensuit, les fils sont respectés parce qu'ils sont le fils du boss. Et notre boss à nous, c'est Dieu. Et nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Et ne permet à personne de te traiter comme quelqu'un de quelconque. Amen. L'un des fils de la Louvière ou l'une des filles de la Louvière. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Merci. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Réalise-le dans ton âme. Amen, amen. Réalise-le dans ton âme. Là, nous allons voir maintenant ce découragement qu'il y a eu. Je ne veux pas parler de dépression. Je ne veux pas parler. Mais c'est, je veux dire, voilà, il y a une lignée. Le psychologue, dès que tu vas dire, voilà, je ne me sens pas bien dans ma peau ici et là, on va te dire, voilà, il est dépressif. Elle est dépressive. Médicament. Vous savez le seul médicament que vous avez besoin, c'est lequel? Quel est le médicament que tu as besoin? Là. La Bible. Tu sais le seul médicament que tu as besoin, c'est lequel? Le deuxième? L'Église. Amen. Tu sais le médicament que tu as besoin, c'est quoi? Ce sont ceux qui servent en tant que ministre de Dieu dans l'Église. Amen. Tu sais le quatrième point, c'est quoi? C'est la personne qui est assise de toi. C'est ton médicament, la personne qui est à côté de toi. Mange-le! Ne vous dévorez pas. Hein. Mange ce médicament-là. C'est ce que nous avons besoin. L'Église est ce médicament. Amen. Il y a tout ce qu'il faut. Comme on dit, c'est vrai. Et je ne veux pas exclure que certains médicaments font du bien à notre corps. Et on dit que dans la nature, il y a tout. Mais je vais vous dire aussi autre chose. Dans l'Église de Dieu, il y a tout aussi. Il y a tout. Chacun d'entre nous est une herbe pour son prochain. Chacun d'entre nous est une herbe pour son voisin. Voilà, maintenant nous allons rentrer un petit peu dans cette profondeur, parce que c'est ce que Jacques disait dans Jacques chapitre 5, verset 17. Nous allons le voir ici. Élie était un homme de la même nature que nous. Alors quand on pense de la même nature que nous, qu'est-ce que Jacques a voulu dire? Qu'est-ce que ça signifie? Regardons maintenant différentes versions de la Bible, parce que comme je dis, pour expliquer la Bible, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tu prends plusieurs versions différentes et tu vas comprendre ce que ça veut dire. Donc voilà, Élie était de la même nature que nous. Regardons ce que Parole Vivante nous dit. Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Regardez la version d'Arby. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Dans le temps, les temps étaient différents. Mais les passions étaient toujours les mêmes. La Bible Crampon, c'est une Bible catholique. Regardez ce qu'elle nous dit. Élie était un homme soumis aux mêmes misères que nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On parlait du grand homme de Dieu, là.
Élie était un homme soumis aux mêmes misères que nous. La Bible du Semeur nous dit, Élie était un homme tout à fait semblable, dis pas différent, tout à fait semblable, copie conforme, à nous. La Bible, parole de vie, nous dit, Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Maintenant, j'ai quand même été chercher pour le grec. Donc comme ça, ben, vous pouvez dire qu'au sein du mot samaritain, on apprend le grec. Hein. Voilà le mot, je vais l'extropier. Hein. C'est homoiopathes, qui veut dire souffrant avec un autre de sentiments ou d'affections semblables. Donc, entre toi et moi, Élie n'était pas différent. Au contraire, je vais vous dire une chose. Vous avez vu les miracles qu'Élie a fait sans le Saint-Esprit en lui. Les sentiments, les émotions, c'était le même. Mais sans le Saint-Esprit en lui. Nous savons que Élie était découragé, n'est-ce pas? On connaît l'histoire. Il a demandé la mort. Donc, il était découragé. Jésus nous parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Et comment ça se fait que des fois on est découragé comme ça? Comment ça se fait que certains chrétiens ont envie d'abandonner avec leur couple, abandonner avec leurs enfants, abandonner avec leur travail, abandonner avec leur église, abandonner avec les ministres de Dieu? Pourtant, il y a un consolateur qui est là. La Bible me dit qu'il paraît, et je crois que c'est comme ça, c'est que Dieu nous a donné ce consolateur. Mais maintenant, comme je dis, je ne veux pas, vous savez, mes études ne sont pas faites pour mettre un poids ou une culpabilité sur quiconque. Mais c'est comme je dis, c'est à un moment donné, on analyse notre vie, chacun. Arrêtons de penser à l'autre, ou arrêtons de penser à ça. Là, c'est toi et Dieu. C'est moi et Dieu, face à face. Et Dieu nous parle. La conclusion pour nous aujourd'hui, elle est là. C'est que chacun d'entre nous ne devons pas nous croire trop forts. Parce que c'est ce que la Bible elle nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 12 à 14. Et j'ai pris 14, normalement c'est rien que le 12 qui nous intéresse. Mais j'ai pris un petit peu plus loin, encore une fois, pour que vous compreniez, parce qu'il y a un mot qui va être dit là-dedans, pour comprendre des fois comment on tombe dans certains travers. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, qu'est-ce qu'il a mis? Prenne garde de tomber. C'est facile de dire quand je vois mon frère et ma soeur, allez, lève-toi. Un chrétien, il ne peut pas être en dépression. Un chrétien, il ne peut pas être découragé. Un chrétien, il ne peut pas être malade. Un chrétien, il ne peut pas... Et vous mettez tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. C'est facile de dire ça. Qu'est-ce que la Bible me dit ici? Que celui qui est debout, il ne prenne garde de tomber. Pourquoi? Parce que regardez au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, dis-le, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est sa nature, la fidélité de Dieu, c'est sa nature. Amen. Et comme lui est fidèle, il veut que toi et moi, nous lui soyons fidèles. Et que nous soyons pas des adultères. Parce qu'il nous a rachetés, nous lui appartenons. Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, elle arrivera la tentation. Il préparera aussi le chemin de son sortir. Ou même avec le découragement. Il te préparera un chemin où tu vas sortir de ce découragement. Afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, regardez ce qu'il a mis. Nous, chrétiens évangéliques, on dit, nous, on n'est pas idolâtres. Et qu'est-ce qu'il nous dit, là? Fuyez l'idolâtrie. Quand nous pensons être forts et que nous ne le sommes pas, nous tombons. Nous sommes idolâtres. Idolâtre, vous savez, c'est quoi? Idolâtre de sa personne.
Moi en dépression? Jamais. Et quand l'épreuve arrive, pasteur, prie pour moi, s'il te plaît. Et c'est là où normalement, en tant que pasteur, on aurait dit, mais t'as pas dit que t'étais fort? T'as pas dit que normalement tu tomberais jamais en dépression? T'as pas dit que tu serais jamais découragé? Élie était de la même nature que nous. Élie. Il est vrai, comme je disais tantôt, nous avons Saint-Esprit, ce consolateur. Mais bien souvent, vous savez quoi? On n'a pas trop envie d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. C'est plus facile de dire, mon frère Alain, prie pour moi parce que je dois passer un test. J'ai une épreuve. C'est facile de dire ça. Mais on ne va pas chercher la solution au Saint-Esprit. Celui qui est en nous. Ce que toi tu vis, tes découragements, tes échecs, le Saint-Esprit le vit avec toi. Et le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te relever. Mais si toi, à un moment donné, tu dis non, voilà, moi, tant que Dieu ne me parle pas à travers mon épouse Karine, moi, je ne bouge plus. Je ne prie plus, je ne lis plus, je ne vais plus à l'église, je ne sers plus mon prochain, et pas papi, et pas papa, et tout ce que vous voulez. Vous mettez tout ce que vous voulez derrière. L'épreuve, elle nous est arrivée, elle nous tombe dessus, elle nous tombera dessus, de toute façon. Pour quiconque, elle n'est pas dans notre force. On sait la dominer. Mais il faut faire une chose. Comme Dieu a dit à Élie à travers l'ange, lève-toi et mange. Mange cette parole. Mange ce message. Parce que je sais que ce message, et l'homme qui vous parle n'est pas exempt de découragement. Vous croyez que ça m'arrive jamais? Seigneur, tu as dit que. Après, on regarde 1 an, 2 ans, 3 ans. Et qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Quand Dieu fait une promesse, si elle tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle va s'exécuter. Tôt ou tard, elle va s'exécuter. Ce que Dieu te dit, je ne te dis pas ce que moi je te dis. Ce que Dieu te dit, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et il va accomplir sa parole. Mais ne reste pas dans cet état de découragement. Et je ne veux pas que tu restes parce que tu crois que tu es le seul à passer un découragement. Des fois, hein, quand un frère ou une soeur vous dit « Ça va, Salvatore ?» Vous dites « Ça va ?» Gloire à Dieu, tout va bien. Chérie, j'ai mal. Et Dieu fait pas ci, et Dieu fait pas là, n'est-ce pas? Maintenant, pasteur ici qui dit « Salvatore, ça va ?» Gloire à Dieu. L'éternel est notre force, l'éternel est notre puissance. Hein? Et on commence. Nous, les charismatiques, on est fort avec ça. Mais vivre. Et comme je dis, il ne faut pas se lever. Combien de fois je regarde personne, je vais me retourner. Combien de fois je dis, comment tu vas mon frère, comment tu vas ma soeur? Et on me dit, oh, très très bien, par la grâce de Dieu. Mais je sais qu'au fond, ça va. Parce qu'un rôle en tant que pasteur, vous savez c'est quoi? C'est de garder, de protéger, de soigner, de chérir, d'encourager, de relever. Et alors, bien entendu, je sais, parce que quand je vous vois et que je vous dis que ça va, je sais que vous n'allez pas me dire que ça ne va pas. Vous allez toujours me dire, ça va, gloire à Dieu, grâce au Seigneur. Le Seigneur m'accompagne tous les jours de ma vie. Tout va bien. Tout va bien. Et alors, je vois un petit peu les yeux ici, là, je vous vois, je vous ai en face, là, je vois, hein. On a tous l'arme à l'œil, hein. Hein? Mais je sais que ça ne va pas. Parce que si ce message est arrivé, c'est parce que vous êtes vous aussi découragé, n'est-ce pas? Et Dieu sait tout. Parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. Les circonstances disent non, mais Dieu dit oui. Dieu dit, si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'il y a un grand cadeau, il y a un grand pack. Tu m'as demandé un écran avec 17 pouces. Dieu a prévu un écran 100 pouces pour toi. Amen, amen. Beaucoup, 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 beaucoup plus grand. Amen. Donc, fouillons l'idolâtrie, n'est-ce pas? Nous pouvons dire, même que nous sommes protestants, que nous n'avons pas de statut ici et là, des fois, l'idolâtrie, ça personne. Regardez,
Maintenant, je vais vous donner toute une série d'hommes de Dieu. Comme je dis, c'est pas pour vous dire que c'est normal. Non! Mais c'est pour vous faire comprendre le plan de Dieu. Dieu mettra tout en œuvre pour qu'à un moment donné, comme on a chanté tantôt, on va dire « Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si les océans se déchaînent, tu es avec moi. » On l'a chanté tantôt, n'est-ce pas? Hein? Et alors, de temps en temps, on chante. Je vois Joséphine qui joue, je vois nous qu'on chante, et on dit « Même si les océans, quand il y a les océans, hein, on pense des fois c'est une facture, des fois c'est le boulot qui va mal, des fois c'est une collègue, des fois c'est un frère, des fois c'est une sœur, des fois c'est le pasteur. Hein? » Et on voit tout ça qui ne va pas. Et alors on dit, même si les océans se déchaînent, hein? Mais nous on est protestants évangéliques pentecôtistes, hein? On fait partie de la dénomination number one, numéro une. Hein? Nous, il n'y a rien qui nous atteint. Et après, on dit, Seigneur, j'ai chanté ça, mais hein? Il faut être sincère. Comme je dis, moi, la vie chrétienne, c'est une question de sincérité. Et je dis, même quelqu'un qui n'est pas converti, mon évangélisation n'est pas « Viens au Seigneur parce que tout va aller bien », mais mon évangélisation c'est « Viens au Seigneur parce que tout va aller mal », mais tu vas rentrer dans ton ministère, tu vas rentrer dans les dons, tu vas voir ce que Dieu a fait avec toi, ce qu'il va faire, le changement qu'il va opérer en toi. Ça, moi j'en suis persuadé, ça. Parce que j'ai vu quelques parcelles de ma vie changer. Être de tout au tout complètement changé. D'être quelqu'un de désordonné, d'être maintenant ordonné. D'être quelqu'un de nerveux, d'être maintenant calme. D'être quelqu'un où je n'avais pas la paix, de maintenant être plein de paix. Parce que Dieu est mon Dieu. Dieu est mon Dieu. Et tu dois faire de Dieu ton Dieu. Job, qu'est-ce qu'il a dit, Job? Mon oreille avait entendu. L'important, ce n'est pas tes oreilles. Parce que qu'est-ce qu'il dit après? Mais maintenant, mes yeux ont vu. Aujourd'hui, tu es découragé. Aujourd'hui, tu transites. Mais demain, tu seras plein de calme et de force. Mais la seule chose à faire, c'est lève-toi et mange. Lève-toi et mange. David parle à son âme. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Et nous, quand on dit ça, on dit, mais il est fou, lui. David. Le roi David, le grand roi David. Mon âme, pourquoi t'as battu? Est-ce qu'il était encouragé à ce moment-là? Il était découragé? Regardez David. Psaume 30, versets 6 à 12. Je disais dans ma sécurité, quand tout va bien, je ne chancellerai jamais. Vous rappelez le verset tantôt? Que celui qui est debout ne fasse pas tout tomber. David disait, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. J'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang? Il se sentait en sécurité, il se sentait le Superman d'Israël, le numéro un. Il se sentait le pasteur, le berger d'Israël. Moi, je ne chancellerai jamais. Et là, son langage change. Que gagnes-tu à verser mon sang? À me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Là, tantôt, on a dit, c'est la raison pour laquelle je suis né. Pour te louer, la louange. On le voit. C'est pour implorer l'Éternel. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle, voilà, tu dois louer Dieu. Tu dois faire quoi en deuxième point? Raconter la fidélité de Dieu. Même que ça ne va pas, tout va bien. Tout va bien. Écoute Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. En allégresse. Tu as envie de te réjouir? Tu as envie de te réjouir? Là, qu'est-ce qu'il a fait? Loue Dieu. Raconte sa fidélité. Et tu vas voir que la gloire de Dieu va descendre sur toi. La puissance, la paix, la joie, le fruit de l'Esprit va descendre sur toi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse.
Tu as délié mon sacre et tu m'as ceint de joie. Il était découragé. David, cet homme redoutable, ce tueur, il a été découragé. C'est normal? Non, mais c'est la même nature. David était de la même nature que nous aussi, comme Élie. Une promesse est là et ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, t'es découragé. Et c'est le cheminement. Le découragement fait partie de la vie chrétienne. Seigneur, tu m'as promis une grande église. Mais je suis tout seul. J'ai des hommes là, mais je ne sais pas trop faire confiance. C'est découragement, ça. Dieu le permet. Il n'est pas l'auteur du découragement. Mais dans le découragement, tu vas apprendre à faire « Je m'abandonne à toi, Seigneur. » Comme on l'a chanté. « Je m'abandonne à toi. Je ne contrôle rien. » Jésus l'a dit. « Qui de vous, par ses inquiétudes, s'est rajouté une goutte à la durée de sa vie ?» Qui sait faire ça? Donc pourquoi t'inquiètes-tu? Surmonte. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Prends des forces quelque part, Seigneur. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas quoi? Muet. Et pourquoi quand nos sœurs chantent ici, des fois nous sommes là, muets? Afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. David a compris après ce découragement les deux clés. C'était chanter des louanges à Dieu. Et c'était raconter la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Même si aujourd'hui tu passes par des événements et tu dis voilà, Dieu m'avait promis mais je n'ai pas. Je te dis une chose, Dieu est fidèle. Et on le chante. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô mon Seigneur, grande est ta fidélité. N'est-ce pas? On chante, hein? Mais après on pense au problème, hein? Mais justement, quand c'est comme ça, pour combattre le découragement, même que tu es découragé, même que tu sais quel problème il y a, c'est tu chantes ça. Et tu dis, Seigneur, ce qui est là n'est plus. Au nom de Jésus. Regardez, Job. Le diable a parcouru la terre, vous savez. Et Dieu a dit, t'as vu, t'as parcouru la terre, personne n'est comme lui. Job, chapitre 29, verset 18. Alors je disais, je mourrai dans mon lit. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse. Et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Un excellent homme de relation d'aide, hein? Après mes discours, nul ne répliquait. Oh, magnifique Job, hein? Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Vous avez vu ce que Job disait pour lui? Mais nous savons son histoire. Quand l'épreuve a commencé à le mitrailler, vous croyez qu'il aurait pu dire ça? C'est pas lui qui a dit « Je maudis le jour où je suis né ». Job, le diable a parcouru toute la terre. Personne n'était comme lui. Personne. Et on l'a vu comme on a été découragé. Ah, si on avait eu les psychologues ici aujourd'hui, deux démestards, deux ici, deux là, hein? Je vais aller voir le psy. Vous savez,
à part, comme j'ai dit tantôt, à part pour les maladies psychomatiques, à part pour ça. Mais tu peux prendre tous les médicaments du monde. Il n'y a rien qui peut te donner la joie. Il n'y a rien qui peut te donner du courage. Il n'y a rien qui peut te relever. La seule chose qui peut te relever, c'est la prière. Parce que comme j'ai dit, c'est facile que je demande à mon pasteur de prier pour moi. C'est facile. Mais moi, est-ce que je prie pour moi? Est-ce que j'ai envie d'aller bien? Quelqu'un qui aujourd'hui est en mutuelle à cause d'une maladie soi-disant psychomatique, il est tranquille. Il reste à la maison et il est payé. Mais s'il est guéri, il faut recommencer les bourses. Il faut recommencer à subir les sautes d'humeur du chef, du patron. Et des fois, on n'a pas envie. Alors, comme nous, en tant que bons chrétiens, en tant que bons disciples, excusez-moi, mon frère, ça ne va pas. Le frère, la sœur en question dit non, ça ne va pas. Je suis en mutuelle, je suis en dépression. Et nous, on prie. Eux, ils font la Dolce Vita. Et toi, tu prends, tu pries, tu perds ton temps pour rien. Alors que ça se peut que quelqu'un dans l'église a réellement envie d'être guéri, et on va louper. Le diable est malin. On l'appelle le malin. Là où il faut notre présence, il ne veut pas qu'on soit là. Il va te faire fixer le regard sur autre chose. Et tantôt, on a chanté que nos yeux devaient être fixés sur Dieu. Moïse, est-ce que c'est pas un grand homme, Moïse? Ben oui. Regardez. Nombre chapitre 11, verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Au verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ? Si nous sommes venus, si nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des aux, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la main. » Ils avaient des cailles tous les jours. On avait marre. Ils avaient envie de poissons. Et si Dieu aurait fait un jour des cailles et un jour des poissons, ils auraient voulu une bonne lasagne. Croyez-moi bien. Et si Dieu aurait donné même la lasagne, le quatrième jour, ils auraient voulu un éclair au chocolat. Vous voyez comment est le peuple de Dieu? Inlassablement mécontent. Mécontent de ce que Dieu fait. Ils n'ont pas pensé que si Dieu leur donnait la main, les cailles, c'est qu'il y avait un but. Il y avait un but. Et ils disent, encore des cailles, Seigneur. Est-ce que des fois on s'identifie pas un petit peu au peuple d'Israël, hein? Seigneur, encore? C'est juste. Donc, chapitre 11, verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. Donc, et Moïse, là, est considéré comme un pasteur. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi suis-je-tu ton serviteur ?» Qu'est-ce que Dieu lui a fait à Moïse, hein? Mais Moïse, encore une fois, « Moi, Moïse. » Pourquoi affiches-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Vous avez déjà vu tous ceux qui veulent devenir pasteurs? Et après, quand c'est pour prendre soin des brebis, on va envoyer l'ancien. Hein? On va envoyer. Toi, tu as vécu ça, vas-y.
Hein? Regardez Moïse. Hein? Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein? Comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ta mère de lui donner, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas à moi seul, je ne puis porter à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, qu'est-ce qu'il dit là? Tue-moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Dites-moi, quand on lit ça, est-ce que Moïse est encouragé? Lui aussi, il était découragé. Mais combien de fois, comme je dis, des fois, on est même découragé vis-à-vis de soi-même. Mais qu'est-ce que c'est vis-à-vis de son conjoint? Qu'est-ce que c'est vis-à-vis de ses enfants? Hein? Quand on dit des choses, ils ne font pas. Et alors, on baisse les bras. Et des fois, comme je dis, on baisse les bras avec les enfants. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras avec le mari ou avec la femme. Et quand on arrive là, c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Le divorce est à la clé, est à la porte, et il est rentré même dans nos églises. C'est un enchaînement. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Il y en a un autre que nous connaissons tous, c'est Jonas. Vous vous rappelez de Jonas? Regardez, Jonas chapitre 4. Dieu voulait sauver un peuple. Et voici comment le chapitre 4 commence. Cela des plus forts à Jonas. Vous imaginez que Dieu nous dit, voilà, Salvatore, pasteur Amici, église de Bon-Samaritain, je vais sauver la louvière. Et nous, oh non, Seigneur, pas la louvière. Alors Dieu va nous dire, ouais, tu fais l'église pourquoi? Vous êtes l'église pour quoi faire? C'est ça, Jonas. C'est l'histoire de l'église. Cela des plus forts à Jonas, elle fut irritée. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Parce qu'il était nationaliste, son pays c'était le summum. Mais l'autre pays, non. C'est comme si moi je disais, voilà, la Sicile. Seigneur, sauve la Sicile, mais pas l'Italie. Pas la France, pas la Belgique. Jonas, c'est ce qu'il a fait. Et nous, nous sommes nationalistes. Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Parce que vous savez, pour Jonas, Dieu ne savait pas tout. Et voilà, ce que j'ai voulu faire, c'était pour te le montrer. Car je savais que tu es un Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis là? Compatissant et miséricordieux. Donc, Dieu veut sauver sa création, et Jonas, il n'est pas d'accord. Et l'autre de fois, c'est la même chose qu'on a dit. Les chrétiens ont dit, c'est comme ça. C'est pour ça que certaines prédications aujourd'hui sont secrètes. On n'est même pas sur l'église parce que c'est juste notre groupement, notre église qui doit savoir les vérités de la parole de Dieu. Vous imaginez si Jésus aurait fait ça? Ni toi ni moi, on aurait eu la Bible. Mais bon. Voilà Jonas qui dit que, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Vous avez vu la requête? Vous avez vu? Jonas avait une excellente vision de ce que Dieu, le Dieu de la Bible est. Mais il ne voulait que pour lui. Il ne voulait pas pour les autres. Encore une fois, il était quoi? Idolâtre de sa personne, de son pays, de sa nation. Il ne voulait pas que les autres sachent. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Vous voyez que tous les hommes de Dieu, ils ont tous passé par là. Seigneur, reprends-moi. Mieux vaut mourir que de vivre la vie que je vis ici maintenant. Prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Vous avez vu comment Dieu scrute le cœur? Il dit, tu es en train de te fâcher vis-à-vis de moi. Tu oses
T'es irrité face à moi, Dieu. Et Jonas sortit de l'abîme et s'assit à l'orient de l'abîme. Là, il se fit une cabane. Il n'a rien répondu, je ne sais pas si vous imaginez. Il n'a rien répondu. Et il s'était à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans l'abîme. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Lui était en train de tirer la tête et Dieu tire un arbre, un ricin du sol pour lui couvrir la tête. Vous imaginez un petit peu la scène? Et pour lui ôter son irritation, Jonas éprouva une grande joie. Donc, il n'était pas joyeux avant. À cause de ce ricin, mais, parce qu'avec Dieu, il y a toujours un mais, le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orion. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Qu'est-ce qu'il fait? Il demanda la mort. Moi, je voudrais que on s'identifie pas un petit peu à Jonas, hein, quand ça ne va pas comme nous on le veut. Hein. Et dit, la mort est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et je vais vous donner un secret. Ne discutez pas trop avec Dieu dans ce sens-là. Discutez pour demander de Dieu de bénir, ça oui. Mais quand Dieu fait quelque chose qui nous est contraire à la vie, je vais vous dire une chose. Ne discutez pas avec Dieu. Parce que nous tous, nous sommes perdants. Jonas a été perdant. Donc Jonas dit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dans ce récit, il y a quelque chose de grand. Dieu se tracasse des hommes et des femmes, hein, mais il se tracasse même des animaux. Et alors, tu vas venir me dire, Salvatore, Dieu ne fait aucun cas de moi. Comme il l'a dit, Jésus, si Dieu prend soin des moineaux, à plus forte raison, il prendra soin de toi. À plus forte raison que ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Mais le temps de maintenant est quelque chose où tu dois en tirer un enseignement. Un enseignement. Ce n'est pas le but de te décourager à abandonner, mais il veut t'encourager à aller de l'avant, à ne pas abandonner, à surmonter cette montagne, à prier pour cette montagne qu'elle saute de devant toi. Dieu est en train d'exercer ta foi dans les épreuves de la vie. Les épreuves nous arrivent pour ça, pour que nous soyons de plus en plus grands. L'heure est déjà avancée. Il y avait Jérémie, vous le direz à la maison, Jérémie du chapitre 20, versets 14 à 18, lui aussi a été découragé. Jean-Baptiste, la même chose. Jean-Baptiste était, donc c'est dans Luc chapitre 7, versets 18 à 22. Jean-Baptiste était un homme qui est arrivé et qui a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? On connaît ce récit-là. Mais là, on voit qu'à un moment donné, dans la prison, il appelle ses serviteurs et dit, mais allez demander à ce Jésus, pas à mon Jésus, à ce Jésus-là, si c'est lui que nous devons attendre, on doit attendre quelqu'un d'autre. C'est pas du découragement, ça? Jean-Baptiste avait obéi à la volonté de Dieu. Mais là, il se retrouve en prison, injustement. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il y a?
On commence à discuter avec le diable. Hein? Et le diable dit, mais c'est pas lui. C'est, tu te rappelles quand tu as dit, c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est pas lui, il y en a un autre qui doit arriver. Et voilà le doute qui s'est installé. Voici le découragement qui est arrivé dans la vie de Jean-Baptiste. Un autre homme de Dieu, ça on va le prendre. Acte 28, du verset 11 à 15. Celui dont notre doctrine évangélique est mise, ou chrétienne est mise. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes pour un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait l'enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, donc l'Italie. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius, aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, qu'est-ce qu'il fit? Il rendit grâce, et qu'est-ce qu'il émit? Et il prit courage. Vous imaginez un apôtre Paul découragé? C'est ce que la Bible nous dit. La conclusion de ce message aujourd'hui est qu'il n'est pas bon de tomber dans le découragement. Et certainement, dans le découragement, nous allons y perdre des plumes. Nous allons perdre du temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Comme je l'ai dit tantôt, le découragement fait partie de la bénédiction. Tu seras découragé. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est vite se lever et vite manger. Parce qu'en te levant et en mangeant, c'est là où tu vas entrer dans la bénédiction. Parce que l'épreuve a touché, nous l'avons vu, elle a touché des grands hommes de Dieu, dont Élie, qui pour moi est le numéro 1. Elle l'a touché. Pourquoi ne devrait-elle pas me toucher? Comme j'ai dit, le plus important, c'est de se lever et de manger. Je vais appeler mes sœurs. Et tant qu'elles vont se préparer, j'aimerais vous lire quelques psaumes. Le psaume 20, verset 2. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, l'Église, il te soutienne. Au verset 6 du psaume 20, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Le psaume 21, verset 1. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Sa gloire est grande, au verset 5. À cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Psaume 22, verset 19. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Le psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Psaume 33, verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. C'est lui qui est tout ça. C'est notre Dieu qui est tout ça. Psaume 38, verset 22. Viens en aide à mon secours, Seigneur, mon salut. Psaume 121, verset 1. C'est vers la fin, Christ. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où
viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et la réponse est simple. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Comme je dis, les psaumes, c'est l'Ancien Testament. Oui, notre âme espère en l'Éternel. Oui. Dieu reste Dieu. Mais Dieu dans l'Ancien Testament, c'est lui qui travaillait. Le Saint-Esprit était assis et il regardait. Jésus, de temps à autre, nous avons vu à travers l'ange de l'Éternel, faisait quelques apparitions dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, Jésus descend sur terre. Dieu reste calme. Le Saint-Esprit reste calme. Jésus travaille. Jésus vient et annonce le royaume des cieux. Jésus monte après la crucifixion. Il monte dans les cieux, la Bible dit. Il s'est mis à la droite du Père et il intercède pour toi et pour moi. Et il a dit, le Consolateur maintenant descend sur cette terre. Le Consolateur vient. Maintenant, si nous devrions écrire ce psaume 121, c'est « Je lève mes yeux vers la montagne. » D'où me viendra le secours? Et on devrait rajouter maintenant, le secours me vient du Saint-Esprit, qui a fait les cieux et la terre. Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a tout créé. Maintenant, si je descends encore plus en profondeur, comme j'ai dit tantôt, Ancien Testament, des serviteurs de Dieu. Nouveau Testament, des fils et des filles de Dieu. Maintenant c'est, je lève mes yeux, plus vers la montagne. C'est plus vers la montagne. Maintenant nous devrions dire, je lève mes yeux vers l'église de Bon Samaritain. D'où me viendra le secours? Eh bien le secours te viendra à travers ton frère et ta sœur qui est assis ici. Le secours te vient vers les disciples de Christ, vers ceux qui sont les apprentis avec Christ. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu est assis sur son trône. Et il règne. Jésus est à sa droite. Et il est en train d'intercéder pour toi. En train d'intercéder dans ton découragement. En train d'intercéder afin que tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas la paix. Tu n'abandonnes pas le ministère. Tu n'abandonnes pas les dons qu'il a placés en toi. Que tu n'abandonnes pas l'Église. Le corps de Christ. L'Église universelle. Mais que tu fuis Babylone. Tu fuis la religion. D'où me viendra le secours? Ton secours, c'est l'Église. Ton secours, c'est ton frère et ta sœur. Ton secours, c'est l'Église, le corps de Christ. C'est là, comme tantôt Karine l'a lu, c'est là, dans le psaume 133, c'est là qu'il est doux, qu'il est agréable. Quand les frères se réunissent ensemble, quand les frères et les sœurs prient ensemble, quand les frères et les sœurs s'encouragent mutuellement, quand les frères et les sœurs s'unissent, quand les frères et les sœurs font comme Jésus l'a dit, pleurer avec ceux qui pleurent, rigoler avec ceux qui rigolent. Voilà ta mission. Voilà ma mission. Voilà notre mission. L'Église. Le découragement, nous l'avons vu, tous les hommes de Dieu l'ont passé. Et toi et moi, nous ne sommes pas exempts de ne pas être découragés. Mais tu as besoin de frères, de sœurs qui vont être là comme un encouragement, qui vont être là comme un baume, qui vont être les représentants, les garants de Dieu,
que Dieu est fidèle. Que Dieu, sa bonté, sa fidélité ne changera jamais. Sa fidélité ne changera jamais. Elle ne chancellera point. Et comme nous l'avons dit tantôt, si la promesse part, dis-le à ton âme, dis, oh mon âme, si la promesse tarde, attends-la mon âme, attends-la, parce qu'elle s'accomplira, certainement. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit, je te prie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont découragés, de l'Église, découragés des ministères, découragés des dons, découragés de la vie, qui demandent comme ces hommes de Dieu, demandent la mort. Oh Père, je demande que tous ceux qui sont irrités contre toi, Seigneur, à cause de la religion, sortent de ce découragement. Sortent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont découragés de leur couple sortent de ce découragement. Au nom de Jésus, que ceux qui sont découragés face à leur enfant, le comportement de leur enfant, ne soient plus découragés. Qu'ils se lèvent, qu'ils mangent, qu'ils prennent de force. Que tous ceux qui sont découragés face à leur boulot, face à leurs collègues, face à la vie, face aux difficultés, face à la maladie, que tous ceux qui sont découragés se lèvent et mangent. Se lèvent et mangent. Oui, Seigneur, comme nous allons faire nous maintenant, nous allons faire, Seigneur, ce repas du Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons manger ce pain et ce vin. Que ce soit, Seigneur, quelque chose, Seigneur, de prophétique. Que ce soit, Seigneur, pour chacun d'entre nous, un acte prophétique, une guérison. Que ce soit, Seigneur, pour sortir, Seigneur, du découragement, Seigneur. Pour ceux qui en ont marre de la vie, Seigneur. Pour ceux qui en ont marre, Seigneur, de cette vie, Seigneur. Qui en ont marre, même, Seigneur, même avec eux-mêmes. Qui ne se supportent plus même eux-mêmes, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette église. Seigneur, cette église, le découragement, Seigneur, est arrivé à maintes et maintes reprises, Seigneur. Et comme Néron a essayé de tuer Jésus, le diable a essayé de tuer l'église de Jésus-Christ. L'Église du Saint-Esprit. Mais gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à Jésus qui intercédait pour nous. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Que ce que lui a créé, nul ne peut détruire. Nul ne peut détruire. Amen. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Amen. Jézabel a essayé de maudire Élie. Et Jézabel est morte. Je proclame la mort de Jézabel. Je proclame la mort de Jézabel au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Cette église a une longue vie. Cette église doit écrire l'histoire. Cette église doit faire partie, Seigneur, des annales de la Belgique. Une petite église, une petite nation s'est levée. Mais tout le monde entier a regardé. David, 14 ans, a été stupéfait de voir que l'armée d'Israël, face au géant de Goliath, était tétanisée. David a dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Tu es Dieu. Ta main repose sur Israël. Ta main repose sur cette église. Ta main repose sur chacun d'entre nous. C'est impossible que ce démon de Goliath détruise Israël. Et il a dit, si vous prenez le passage avec David et Goliath,
Il n'a pas dit Israël saura qu'il y a un Dieu en Israël. David n'a pas eu une vision nationaliste. Mais David a dit, le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et je proclame pour cette église prophétiquement que le monde entier saura qu'il y a le Saint-Esprit qui agit à travers cette église. Je brise toutes les chaînes de l'ennemi. Je brise tout ce qui te tenait captif jusqu'à maintenant. Je brise toute peur. Je brise tout découragement. Je brise tout esprit de rejet. Je brise tout ce qui te tenait lié à l'ennemi. Je le brise maintenant par l'autorité de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, pars libre. Lève-toi et mange. Au nom de Jésus, Amen.